Bon allez, je vous fais visiter. C'est impressionnant, hein? C'est clair. Ok, on y va. C'est quoi ta caméra? Une Sony A7 III. Ah, une japonaise! Oh, ils ont sorti la A7 IV, hein. Beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup mieux, hein. C'est comme passer de la Nikon Z7 à la Z9. Moi, tu vois, si je devais choisir une caméra, je prendrais une Leica. Allez en place, les gars, on perd pas de temps. Deutsche Qualität. Moteur. Urbanisme et botanique. Alors, action. Alors, tu vois, Coco, ici, on est dans un... On est dans un quartier à... La majorité de vieilles personnes, c'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux, c'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, pour les ouvriers, pour les ménagères, mais peut-être aussi pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan de restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée, mais là où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein, je suis désolé. Hein. Allez, bon, vous avez pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées, là. Un peu dans le style cité balnéaire anglaise, tu vois. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Je sais pas, non. Si, si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là, et c'est ça qui est dommage. C'était de la poudre aux yeux, ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. Regarde, qu'est-ce qui te choque la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques, c'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin, qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico, je ne sais pas trop quoi, mais tout ça, c'est des histoires de fric. Et ça, ça me désole. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra, là. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et se dire, oh, quel beau parterre, quelle belle asymétrie, oh, tiens, quelle belle tonalité de briques. Mais on leur donne pas la possibilité non plus, et ils préfèrent rester devant leur téléviseur, et ça c'est dommage. Moi personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu, tu vois, une habitation de plein pied, avec des grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Tout dans le style des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. Allez, suivez-moi. Allez, venez, on le suit les gars. C'est bon pour toi, Coco? Le micro, c'est bon? Stop, il y a une voiture qui passe, on recommence. Typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Les briques! C'est les briques rouges! Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Mais là où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein, je suis désolé. Hein.